Good morgen, allez, Iden, les sucres aujourd'hui, les lunishmat, Janine Rud, bat fortune, mazal fritna, Léa Chaya, bat mazal tov, Lucien, bat reina, et Claude Shlomo, ben shalom. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions ma sechet gitin, perek dalet, Mishnah gimen, en almana, nifraat, minirse yetomim, ella bishvua, nimneumi le hashbia, itkin rabban gamliel, azaken, cheteno deret le yetomim, kol ma sheirtsu, ve gova ktubata. Haedim chotmim alaget mipene tikkun haolam yel yitkin prosbul mipene tikkun haolam. En rapport avec les Mishnayot précédentes, on a évoqué les takanot de Rabban Gamliel qu'il a fait en rapport avec les Gittin. Rabban Gamliel Azaken, il a fait plusieurs takanot pour le bon fonctionnement du monde. Du coup, on a dans les prochaines Mishnayot, on va se mettre à parler de toutes sortes de tikkun haolam, des décrets qu'il a fait pour le bien, le bon déroulement, le bon fonctionnement de du peuple. De Rabban Gamliel, ensuite on va parler de Hillel, on va parler encore d'autres takanot qu'on a fait comme ça, d'accord? Comme c'est fréquent dans le Mishnayot, on évoque un sujet, on ouvre le sujet, et on rentre même si on quitte un petit peu le sujet de Gittin. Pour le moment, on est encore en plus ou moins rapport avec Gittin, on va parler de Ktubot. Et je traduis d'abord, après j'explique. En almana nifrat minirse yetomim ela bishvua. Une veuve ne se fait régler sa dette de Ktuba des biens des héritiers uniquement en jurant. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, Nimne ou Mile Hashbia, à un moment, on a arrêté de faire jurer la femme, et donc les femmes étaient en train de perdre leur Ktuba. Itkin Rabban Gamliel Azaken, Shete Noderet Laitomim Kolma Sheirtsu. Il a décrété Rabban Gamliel qu'à la place de jurer, alors, on va juste le faire prononcer un éder de tout ce que les Tomim lui imposeront de faire, tout ce que les orphelins lui imposeront de faire, et seulement après, Vegova Ktubata. Et seulement après, elle encaissera sa Ktuba. Je réexplique d'abord la scène, comme ça on va mieux comprendre les raisons des choses. On parle donc qu'il y a ici une almana, le mari il est mort, Yaakov il est niftar, il était marié à une femme, Yaakov, qui s'appelait Rachel, Yaakov avait des enfants qui ont hérité tous ses biens. La femme n'hérite jamais son mari, ça on le sait depuis le temps. La femme n'hérite pas le mari, mais elle reçoit à la place sa ktouba. Lorsque le mari s'engage, il s'engage de lui laisser une certaine somme, et qu'au cas où il la divorce ou qu'il meurt, elle reçoit sa ktouba, c'est ça ce que la femme elle reçoit. Maintenant, ce qui se passe donc maintenant, il va y avoir une confrontation entre la femme qui va dire « Hé, votre père, il me devait 50 000 dollars, euros, lorsqu'il décède, Vous avez les biens, donc vous me les devez. Vous devez me les donner. » Les Yitomim vont dire, mais peut-être que papa, il t'a laissé un compte en Suisse, qu'on ne sait pas contrôler, on n'a pas le moyen de savoir, peut-être qu'il t'a déjà payé la Ktuba. D'où on sait peut-être que quand il était sur son lit de mort, il a eu peur que tu allais en confrontation avec lui, avec nous, et qu'il t'a laissé de l'argent. On a un droit de te faire jurer, belle maman, on va te faire jurer que papa, il t'a pas payé la dette. Légitime comme Tana, c'est vrai quoi. Ce qui se passe, c'est que, bon, c'est légitime pour la plupart des cas, mais on va se retrouver dans une situation un peu délicate. Il y a des fois où, alors, donc en théorie, il faudrait faire jurer la femme. Et ça, c'est ce qu'on veut atteindre. Ce qui s'est passé, c'est que, il y avait des fois où le père décédait en laissant une veuve avec des petits orphelins de 9, 7 et 4 ans. Et la mère, et la belle-mère, d'accord, c'est pas leur mère forcément, ou peu importe, même des fois, ça peut même être la mère, il peut même avoir la même situation. Ce qu'elle fait, la mère, même quand c'est la mère, on a les mêmes problèmes, ouais, qu'on soit clair. Elle s'est mise à gérer les biens, et à investir, et à éduquer tous ses enfants, mamache. Ils étaient tous les jours bien habillés, bien propres, bien nourris, ils ont bien travaillé à l'école, et ainsi de suite. Et naturellement, la femme, elle, c'est elle qui gère la maison. Et de temps en temps, elle se fait des petits kiffs, elle prend l'argent du mari, que le mari l'a laissé, qu'en fait, qui lui appartient pas à elle, parce qu'elle doit juste prendre ses 50 000, elle a le droit de prendre, tant qu'elle est à la maison, elle a le droit de prendre une certaine de la nourriture et tout ça, mais ne pas non plus se faire des grands kiffs. Et de temps en temps, elle dit, bon, ça va, et oh, je travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour ses enfants, j'ai bien le droit de prendre une petite paye. Alors ça, il faut bien expliquer quelque chose que pas tout le monde le comprend naturellement. Alors on va quand même expliquer quelque chose. Si je viens travailler pour vous gratuitement, il y a dans certains cas où vous devez payer, dans certains cas où vous ne devez pas payer, mais il y a des cas où au moins pour des problèmes de tzedaka où je vais vous apporter de l'aide. Imaginez quelqu'un de malade. Je vais partir, je vais travailler nuit et jour pour l'aider, pour lui être à ses petits soins. Ah, t'as soif, je t'amène à boire. Et moi, j'ai rien convenu comme sachar. J'ai fait pendant une grande mitzvah et j'ai pas convenu de sachar.
de paye dans ce monde présent. J'ai pas le droit de lui prendre un seul shekel sur tout ce que j'ai fait. Ouais, c'est triste à dire, mais il faut bien le réaliser. Si on n'a pas convenu que je reçois de l'argent, moi j'ai fait de l'argent pour une mitzvah. Si j'ai pas fait pour une mitzvah, je suis juste venu vous aider à travailler, alors là, la chote, et je peux effectivement réclamer une certaine somme d'argent, parce que je vous ai apporté du bien, tout ça. Mais si je suis venu faire une mitzvah, que c'est aussi acceptable qu'on réclame de l'argent, mais t'as pas fixé que tu vas travailler pour de l'argent, tu recevras pas un rond. Il n'y a rien à faire. T'as pas convenu de srachar, t'as pas le droit de te servir un srachar. Tout ce que tu m'as fait, c'était gratuit, tout ce que tu me prends, c'est du vol. Même si tu m'as apporté l'équivalent que j'aurais dû payer pour avoir une prestation de service pareille, j'aurais dû payer 10 000 euros pour un truc pareil. Tu me prends 1 euro sans mon accord, t'es un voleur, y a rien à faire, c'est triste. T'as fait une très grande misère, t'as fait une petite avéra, une grande avéra aussi. D'accord? Donc je reprends. On a donc la veuve, elle, naturellement, elle va se mettre à éduquer les enfants, à se donner corps, mais de temps en temps, elle va se faire un petit kiff. Quelque chose qu'elle n'avait pas le droit de prendre, des biens des yétomim. Il y a des règles, donc tout vote, on parle de tout ça, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va faire. Après, elle va deux fois, elle a son frère dans la galère, elle va prendre 1000 shekels, elle va lui donner. Ça va, je travaille gratuitement, je peux prendre de ça. T'as pas le droit, d'accord. Donc naturellement, malgré tout, on est en train de s'adresser à une femme, et on peut le dire à une veuve qui en a gros sur le cœur en plus dans la vie. Donc voilà, on va pas commencer à lui prendre, à lui faire écouter un cours pour lui expliquer que c'est du vol. Il faut juste qu'on contourne le problème. Naturellement, donc, elle va voler, donc nous, maintenant, on ne va plus lui permettre de jurer. Parce qu'on sait qu'elle va jurer qu'elle n'a rien pris alors qu'elle a pris, et Chas v'Chalila, c'est très grave, elle va jurer à tort. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On arrête de faire jurer. Maintenant, quoi? Alors, on fait jurer. Alors, elle ne va plus prendre sa ktouba. Donc, Rabban Gamliel, le fait, tu sais quoi? On va trouver un autre système. Qu'on va lui faire quelque chose qui est engagé que à elle. On ne va pas la confronter, elle, face à elle. On va juste lui dire, écoute-moi, tu prononces un éder. Que si, toutefois, tu t'es servi, tu t'interdis que tu n'auras pas l'air de manger. Du pain tous les... Ou tu n'auras pas le droit de manger des glaces pendant 2 ans. Ouais. Un petit truc qui est casse-pied. Comme ça, au moins, elle va être en face d'elle, elle va bien réaliser ce que oui, ce que non, et elle va mieux réfléchir et dire, ah, non, effectivement, ouais. J'ai donné une fois de l'argent à mon frère, 1000 shekels, je vous le rends, et comme ça, ensuite, elle pourra ensuite recevoir ça que tout va. D'accord. On en veut juste par des nedarim, ça fait que c'est une punition moins grave. Et c'est plus, elle peut plus facilement se... assumer ce que ça, endosser ce que ça implique, et être sérieux dans ce qu'elle va nous prononcer, d'accord? Ça, c'était fin de la première partie de la Mishnah. Deuxième décret qu'on a eu encore, je sais pas si c'est Rabban Gamliel, c'est pas précisé, je l'ai pas vu en tout cas, que, logiquement, c'est même pas Rabban Gamliel, je suis quasiment sûr que oui, que c'est pas Rabban Gamliel, Azaken, que, autre chose, lorsqu'on divorce une femme, on peut tout à fait ne rien faire signer comme témoin sur le guet, mais juste avoir des témoins présents au moment du divorce, c'est même ce qu'il y a de mieux. On avait déjà évoqué la marloquette sur ça, que aider Messira Karate, la Kritout, le divorce, il se produit par le fait qu'il y a des témoins au moment où on transmet le guet, pas avec des témoins qui signent. Seulement, des fois, au fil du temps, j'imagine avec, y a du mouvement, on bouge de la France en Angleterre, en Suisse, en Israël, en Amérique... Et du coup, une femme, elle arrive, et les gens vont dire, ah, mais t'étais marié, qui a dit que t'as divorcé? Elle va sortir son guet, il n'y a rien écrit. Les gens, ils vont commencer à s'écarter de cette femme. Rabban Gamliel, il a décrété que maintenant... non, je ne sais pas si c'est Rabban Gamliel, je vous ai dit. Il y a un tikkun haolam, il y a eu un décret qui a été prononcé, je ne sais pas par qui, qu'à partir de maintenant, les témoins qui assistent au divorce signent sur le shtar, et on valide au Beit Din un shtar qui sort avec des témoins qui ont été signés. Ça veut dire que si maintenant, elle va se retrouver maintenant en Suisse, et que là-bas, on va commencer à lui contester qu'elle n'est pas mariée, elle va sortir son garde avec des témoignages, elle va attendre qu'il va y avoir 2 Français qui vont venir, dire, vous connaissez les signatures de lui, n'importe que c'est sa signature, et ils vont reconnaître, et comme ça, on va tester le guet, elle pourra plus facilement refaire sa vie en Suisse, d'accord? Dernier décret, Hillel Itkin Prozbul Mipenei Tikkun Olam. Hillel a décrété qu'on va écrire un Prozbul, qui est un Prozbul. C'est un moyen de contourner l'interdit de la Shvi'it pour les dettes. On va expliquer après c'est quoi. Mipnei Tikkun Olam, à cause du décret, à cause du bon fonctionnement du monde aussi, Tikkun Olam, pour que les choses se passent bien. J'explique le problème. Le'ala Shmitat Ksafim. Vous savez qu'à la fin de la Shemitah, tous les 7 ans, on annule toutes les dettes, mais aussi en Israël qu'en France, que de partout dans tout le monde aussi. Si jamais il y a quelqu'un qui me donne de l'argent, la Shemitah arrive à la fin de l'année, elle annule la dette. D'accord? Et on annule les dettes à tous ceux qui nous doivent de l'argent.
D'où la problématique. Au mois de Tammuz, Av de l'année de Shemitah, je vais naturellement venir vous raconter que bientôt, je marie Bezat Hashem, ma fille, et j'ai très besoin d'argent. Vous avez un petit peu d'argent à me prêter? Un petit 10 000 euros, et comme ça, je vous le rends en Elul, d'accord? On a un mois devant nous. Maintenant, Elul arrive, premier téléphone qui appelle, oh, je peux pas, je réponds pas. Et ta 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 ta, et je tire comme ça jusqu'à la fin. Et l'autre arrive Rosh Hashanah, et puis après on se rend compte qu'on en s'est retiré, tu vois. Et là je décroche, je vous appelle pour dire, ouais, j'ai pas pu appeler avant Rosh Hashanah, mais comment ça va, bonne année, ouais, tu sais que tu me donnes l'argent. Ah ben non, je te dois plus d'argent. Parce qu'on a eu la Shemitah qui a annulé la dette à la fin de l'année. Alors là, une fois, je vais vous faire le coup, mais prochaine fois, vous allez plus jamais prêter de l'argent. Mais pas que à moi, à plus personne vous allez prêter de l'argent. Parce qu'on vous l'a déjà fait le coup une fois. Donc du coup, les gens arrivaient à la fin de la Shemitah et ne voulaient plus prêter de l'argent. Or, les pauvres crevettins. Hillel a fait un procédé très original, très particulier, fondé sur une certaine permission, pour ensuite faire quelque chose. Ouais, c'est comme pour faire pour éviter les impôts, on prend un expert comptable qui va nous faire un trafic, qui va trouver une petite faille dans la halakha pour faire une entourloupe. Bon, finalement, que de manière propre, sans transgresser l'interdit, on réussit quand même à réclamer les dettes après la Shemitah. C'est le principe qu'il a fait Hillel avec la même chose. On a des. La Torah elle a laissé des possibilités. Le principe, je l'explique de manière d'abord très générale. Si je dois de l'argent à un particulier, la dette est annulée. Mais si je dois de l'argent à un public, la dette n'est pas annulée. Par exemple, si j'ai fait un don à la synagogue, je me suis engagé à payer quelque chose à la synagogue, la Shemitah ne va pas annuler parce que c'est un bien public. La même chose aussi pour le Bet Din. D'accord? Si jamais je dois de l'argent au Bet Din, le Bet Din a la possibilité d'imposer que je lui donne l'argent. Et si je lui donne l'argent au Bet Din, eh ben, la Shemitah ne va pas annuler cette dette. Ce qu'il a fait, Hillel, c'est que, avec son prosboul, c'est un terme d'un contrat particulier, c'est comme, on va dire, le tofes arbaim veshesh, arbaim ve'arba, ouais, je sais pas comment c'est en français, d'accord, c'est une forme de contrat qu'il a imposé qui s'appelle un prosboul, et que en fait, finalement, par ce prosboul, on va faire que maintenant, la dette que vous me devez, ou que je vous dois, je ne vous la dois pas à vous, je la dois au Bet Din. Et le Bet Din, il est responsable, lui, de récupérer l'argent, et puis après de rendre l'argent à qui il veut. Et donc, du coup, en écrivant que maintenant, on écrit le prosboul, ça fait que maintenant, la dette cesse d'être votre dette personnelle, ça devient la dette du Bet Din, je dois la payer au Bet Din. Le Bet Din, qui est bien sûr très droit, il vous le rend ensuite, de manière raisonnable. On n'a même plus besoin de passer par le Bet Din, en réalité. Parce que maintenant, vous allez venir réclamer l'argent, on va dire, je viens au nom du Bet Din, que tu me dois de l'argent au Bet Din. Tu as l'argent Bedin que le Bedin me doit. Donc je paye le Bedin, mais après le Bedin vous le rend. D'accord? C'est le principe du prosboul. Et grâce à ça, il y a eu un tikkun. Surtout pas que pour les riches, aussi pour les pauvres. Comme ça, les pauvres aussi, ils peuvent avoir des gens qui vont leur prêter de l'argent sans avoir peur de la chute. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. C'est là.